Bonjour, Thierry Varlet, animateur réseau entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Castellin pour parler et évoquer surtout l'appli industrielle. Bonjour Laurent, Bonjour donc Thierry. bienvenue à la Chambre. Merci. Donc du coup, déjà, est-ce que tu pourrais présenter un peu plus ton entreprise pour les internautes et puis évidemment ton parcours? Alors, je suis le directeur général de la société Framatin, qui a été créée par mon grand-père en 1958, troisième génération. Notre cœur de métier, c'est la transformation des matières plastiques. Et on travaille pour de multiples secteurs qui vont de la parfumerie, le jouet, le secteur médical. Et donc, il y a un an, tu as adhéré au programme de l'appli industrielle. Absolument. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça Bah, et... après avoir participé à un certain nombre de plateaux généralistes de la Chambre, entre guillemets, moi, j'avais le souhait de reprendre un petit peu ce concept-là, mais de le dédier aux industriels. C'est un sujet que j'avais évoqué notamment auprès de la communauté d'agglomération et de la Chambre de commerce. Et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise nous a suivis sur ce projet, puisqu'il y a quand même un tissu industriel assez important au niveau du territoire. Et donc on a pu ainsi réunir un pool d'entrepreneurs qui souhaitaient participer à ce programme, qui est coaché par un expert en ligne, qui est Carlos Extérieur. Cardozo. Ouais. D'accord, ok. Et en fin de compte, l'apport de tout ça, donc, pour les Bah, industriels. l'apport de tout ça, c'est la richesse des métiers. Déjà, on est tous industriels, mais on a tous des métiers très différents. On se retrouve dans un groupe régulièrement où je dirais le leitmotiv des d'abord l'écoute et la bienveillance, c'est apprendre et grandir ensemble, choisir des thématiques qui vont du poste de travail jusqu'à l'implantation d'une usine, tout en gardant en tête les enjeux qui nous attendent tous autour de l'industrie 4.0 et de la notion surtout environnementale. Ça irait ce dispositif à tous les industriels du Val-d'Oise. Moi, je me suis régalé en tous les cas. J'ai beaucoup appris. On étoffe son réseau. Merci beaucoup Laurent pour ton témoignage. Merci de m'avoir reçu.